Salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve de retour sur Grand Utopia pour un nouveau convoi exceptionnel sur Euro Truck Simulator 2 avec la dernière remorque de BB Modding, la PE2F1. Et j'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc du coup, aujourd'hui, nouvelle cargaison, ce gros tracteur qui est la classe Xerion 4500. La marchandise fait 13 tonnes, donc convoi exceptionnel, pas du coup à cause du poids, mais forcément avec... la longueur, etc. Et voilà, bon, à chaque fois à chaque fois je dis ça, mais en fait je suis pas du tout un professionnel. Moi, les convois exceptionnels, je n'y connais que dalle, et c'est toujours un plaisir de pouvoir mettre un pied là dedans en termes de manœuvre. Voilà, merci encore à BB Modding pour sa confiance. Le site avec tous ses modes est en description, les amis, n'hésitez pas à checker et à aller vous faire plaisir. Bien évidemment, nous sommes actuellement à Dolan-sur-Mer et on va descendre sur la petite départementale 15 tranquillou bilou sur Crévuit. Voilà, c'est histoire de faire un petit trajet sympathique. Bien voilà, on est parti. Je me suis voilà, j'ai voulu commencer un petit peu dans un endroit un peu insolite sur voilà, bah, à côté du phare. Enfin, ça n'a pas trop de sens, mais je trouvais ça super chouette. Et le jeu est super beau et la map est super belle et la remorque est absolument incroyable et qualitative tout simplement. Et on est à bord d'un Volvo d'ailleurs, attention. Volvo FH12 2012 skinné TLF M Colo, puisque c'est mon nouveau camion. Encore une fois, oui, je me fais des petits kiffs. Et le patron est super sympa. Il cède à mes caprices. Voilà, ferme la fenêtre, toi. Hop, on va enlever les feux de détresse. Je suis perdu. Et on est parti, messieurs, dames. Direction, hop, voilà. Ça va être mon nouveau camion. Alors habituez-vous-en, même si bon, là, je crois il y a quoi, 750 chevaux. Enfin, c'est trafiqué là. Hein. Ouais, 750. Il est trafiqué le camion, hein, pour le convoi exceptionnel. Mais en gros, quand je ferai ma nouvelle carrière, le jour où la 1.50 et ProMod sera disponible, quand je ferai mon nouveau profil, ma nouvelle carrière, et qu'on commencera à zéro sans cheat, etc. Eh ben, on sera avec ce camion. Enfin, le premier camion qu'on achètera, ce sera celui-là. Et donc, il sera skinné TLF. Voilà, on n'oublie pas que c'est un convoi exceptionnel. Alors, attendez, j'avais zappé ce détail, mais c'est passé à droite. C'est passé à gauche. C'est absolument parfait. Ça commence relativement bien. Alors, c'est la remorque la plus longue de ce mode-là, de ce PE2F. Voilà. Puisque dans le dernier convoi exceptionnel, c'était la remorque la plus petite, justement, avec le Hummer, le véhicule militaire. Donc là, c'est la remorque la plus longue. Voilà. Et puis, je viens de capter, mais en fait, le GPS que j'ai mis sur le tableau de bord nous gâche absolument la vue. C'est absolument phénoménal. Alors, attendez. Alors. J'ai des petits soucis, là, dans la vraie vie. Attendez. Hop, on va à droite. Oh bah, pourquoi il s'est arrêté? Voilà. Hop, alors attendez, putain, c'est serré là. C'est serré, on va pas prendre trop large. Mais ça passe super bien en vrai. Oh, mais ça passe super bien. J'aime beaucoup ce camion, voilà, je suis content d'avoir ce camion, sachez-le. Je vais me régaler quand on va faire notre nouveau carrière. Attends, vas-y, passe toi, voilà. Alors attends, à droite c'est bon, c'est à gauche le problème. Non, c'est bon, ça passe, allez, superbe. Et je m'en sors pas trop mal, hein. Bon, je fais quand même des petits à-coups de volant, parce que j'ai pas forcément l'habitude, mais je m'en sors quand même pas trop mal. C'est plutôt cool, en vrai. Alors on va pas non plus s'enflammer
il parlait trop vite. C'est vrai qu'en fait la remorque déborde. Hein. C'est pour ça que c'est un convoi exceptionnel. Voilà, c'est parce que le tracteur déborde sur les côtés. Et donc forcément la largeur est beaucoup plus importante que une remorque classique. Voilà, c'était la petite parenthèse que j'ai voulu aborder. Voilà, un refus de priorité. Non, c'est bon, parfait. Parce que devant la police, c'est vrai que c'est pas terrible hein, de faire ce genre de choses. Voilà. Voilà, impeccable. Ça se passe relativement pas trop mal. Ah, c'est génial, ça me fait un super angle mort le GPS. C'est un régal. Je regrette un peu, je vais pas te mentir. Voilà. Là, c'est bon. Ouh, le beau cheval. Une belle queue. Hop. Ça se passe super bien. C'est magnifique. Et puis il a de la patate le camion. Forcément 750 chevaux, là on est quand même sur un délire absolument phénoménal. Et alors si vous trouvez le jeu plus pétillant, c'est parce que je me suis fait un petit plaisir. Alors j'ai pas mis de mode de reshade ou je sais pas quoi hein. Pas du tout. J'ai juste ajouté les filtres Nvidia et un petit peu customisé à ma façon. Voilà, en rajoutant un peu plus de détails, en affinant un petit peu plus et en rajoutant un peu de couleur. Donc c'est un petit peu moins triste, c'est un peu plus jovial. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il y a une belle différence. Alors si je vous montre la différence avec et sans les filtres, vous allez le voir direct. Mais je vais pas le faire parce que ça risque de cacher la magie. Et donc je ne préférerais ne pas le faire. Et donc là c'est parti pour la petite départementale qui risque d'être assez sympathique. Il n'y a pas tant de virages que ça, mais par exemple on a celui-ci qui va nous poser une première difficulté. Donc on va longer à droite sans trop longer à droite. On va prendre surtout notre temps. Et en vrai, y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, absolument. Et j'avais vraiment de la marge en plus à droite, donc c'est parfait. Alors les voitures derrière, elles attendront. Hein. Comme dit, j'ai un camion qui est ultra cheaté. C'est pas dit que tous les camions soient cheatés pour les convois exceptionnels, clairement. Enfin, surtout pour un convoi comme ça, en vrai, t'as pas besoin d'avoir un gros bousin. Donc là, je pense que normalement, tu traînes. Hein. Là, normalement, je pense que tu traînes quand même pas mal. Donc ils vont pas casser la tête derrière. C'est déjà assez cool la vitesse à laquelle je monte ce petit col. Avec la petite vue sur les petites villas sur la droite. Ah bah monsieur prend en plus les photos. Et la voiture qui essaye de doubler, qui va se prendre la voie. Regardez le rétroviseur, messieurs dames, attention. Et paf le carton. Ah les teubés, je te jure. Sans déconner quoi. Allez. Alors ça fait très bizarre de repasser parce que du coup je suis nouveau sur la version 1.49, hein, la version officielle actuelle. Et donc je suis plus sur la bêta 1.50. Autant vous dire que ça fait très bizarre. Regardez, je vous remontre. J'appuie sur la touche virgule pour ouvrir ma map. Bah, du coup je peux plus revenir sur l'accueil. Donc j'ai pas le choix de faire échappe. Donc ça prend 30 ans. Voilà, et ensuite échappe. Voilà, c'est chiant quoi. Heureusement, à 1.50, tu auras plus de soucis. Ça, c'est top. Il n'y aura pas tous ces chargements quoi. Allez. Hop. Aucun problème. Vous avez vu le camion citerne? Avec un peu de chance, ce sera moi un jour. Bientôt. Alors, continuons. Attendez. Ah bah il reste 6 minutes. Ok, tout à fait, il reste 6 minutes de trajet. C'est pas trop mal. Attention, oui on déborde, oui. Ouais, j'ai un petit peu fou le mec. J'ai un petit peu débordé, c'est vrai. C'est pas très très sérieux. J'ai trop trop hâte de pouvoir faire une nouvelle carrière. Ça me démange hein. Je crois qu'on aime tout ça à chaque fois recommencer à zéro des trucs. Je pense que c'est quelque chose de propre à l'humain. Mais j'ai trop hâte de recommencer à zéro réellement, comme avec les West Balkans. Mais sauf que là on sera vraiment sur pro mode avec vraiment toute l'Europe complète. Et il y aura vraiment de quoi faire. Franchement il y aura vraiment de quoi faire. Donc si ça se fait, ce serait vraiment chouette. Et puis sinon ce sera des vidéos IRL hein, tout simplement, c'est pas grave. Hop. C'est vraiment bien Grand Utopia.
Oh, c'est, et là, c'est vraiment beau. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça magnifique. Iconic Road de Wombat. Ok. Je trouve que je suis un petit peu trop à droite. Il est vrai. J'aime beaucoup trop le décor là. Et en plus avec les filtres et tout, ça pétille, c'est super chouette. Enfin, ça se trouve, vous trouvez ça pas beau et vous trouvez ça peut-être trop abusé. Moi, j'aime trop là, ça claque les yeux, ça rafraîchit, ça fait du bien quoi. Je vais quand même vous faire après. Je vais tant pis. En fin de vidéo, je vais quand même vous montrer le avant après, avec les filtres et sans les filtres. Et d'ailleurs, il y avait des commentaires qui étaient choqués sur ma dernière vidéo, du coup en 1.50 la bêta, qui me disaient ouais, mais il y a un mode graphique ou quoi, parce que le jeu est super beau. Mais en fait non. Encore moins en bêta, il y a pas de mode. Donc il y a pas de mode graphique. C'est vraiment juste la bêta, les nouveaux paramètres graphiques. Qui fait l'autre derrière? Non mais les gars, c'est des zinzins. Allez-y franco. Double-moi entièrement mon gars, sérieusement. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Elle est super sympa cette route hein. Ça c'est une route de motard. Quelques virages encore en plus, ce serait pas mal, mais ça, c'est vraiment les routes par chez moi, ça j'aime beaucoup. Sauf que chez moi les routes sont pas aussi propres, malheureusement. Parce que là il n'y a pas trop de trous hein, dans le bitume. Hop. Waouh, superbe. Excusez-moi pour la notification Discord. Hein. Vous pourrez mettre en commentaire L7C Fox, tu te calmes. Voilà. Tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici, il va rien comprendre s'il a pas encore vu la vidéo mais qu'il voit les commentaires. Je compte sur vous les gars, vous écrivez tout ça en commentaire. Vous mettez L7C Fox, tu te calmes. Voilà, je compte sur vous, jouez le jeu. Et puis comme ça d'ailleurs on verra qui aura regardé la vidéo jusqu'au bout. Mais surtout c'est très marrant, voilà, je trouve ça rigolo. Hop. J'aime bien cette route et ça se passe vraiment bien. Ouh, mais on est dans le sud avec les montagnes là-bas, là, dans le fond, c'est assez impressionnant. Ah, encore un camion citerne. Et lui, c'est de la matière dangereuse. 97-89. Alors, c'est quoi comme matière dangereuse? On va chercher vite fait sur internet. Alors, on a dit 80. 17-89. 17-89, transport code. Il s'agit de l'acide chlorhydrique. Voilà. Comme ça, vous le savez. Qu'est-ce qui me fait le GPS là? Oh mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? C'est là que je dois livrer. Ah oui d'accord, il faut faire demi-tour. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Ah non, fallait que je prenne la route à gauche. Ah ouais, il y a un petit chemin en fait à gauche. D'accord, ok. Ah, fallait le savoir ça. Fallait le savoir. Ok. Et c'est là qu'on ira, très bien. Avalons. Voilà, n'oublions pas les bonnes habitudes. Alors. Comment tu veux que je fasse demi-tour? Il y a un giratoire? Attends, mais comment tu veux que je fasse demi-tour? Mais il est complètement teubé le GPS. Il y a un giratoire au bout. Autant y aller, non? Wombat, hein, toujours. La route iconique. Oh, bah au moins, regardez, on voit des beaux. La belle petite rivière là. Un petit peu asséchée quand même. Hein. Elle déborde pas. À vendre. Ouh, il y a quelque chose à vendre. 04 73 26 91 85. N'hésitez pas à appeler ce numéro et me dire en commentaire qui c'est que vous avez eu au bout du fil. Imagine, c'est le numéro de My Godness. C'est très rigolo ça. Surtout un 04. Je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Je suis pas le Volvo le plus affûté de la concession. Oh putain, c'est à droite du coup. Ah oui, bah, parce que là je peux faire des allers-retours. Un milliard de fois. Alors. Tac. Pas de problème. Putain, je m'en sors relativement bien. Hein. Hop. Oh là là, mais hé.
J'ai fait ça toute ma vie. Comme dirait bébé modding. Avec cette remorque, regardez encore un petit peu de fond en comble. Puis ce camion qui est quand même relativement sexy, hein, disons-le, ce beau petit Volvo. Hein ? Il est pas moche, hein. Et j'aime beaucoup le rouler. Avec les petites cales à l'avant de la remorque. On a 4 cales. Alors, quelques cales de plus n'auraient pas été de refus, en vrai. Avec tous les essieux qu'on a. Enfin, du coup, on a 3 essieux. Voilà, c'est la petite vue extérieure du bazar. Et là, on va tourner à droite. Messieurs, dames, je mets quand même le clignotant par acquis de conscience. Qu'est-ce que c'est que ce chemin ? Mais attends, c'est là que je dois tourner ? C'est même pas là que je dois tourner. C'est là-bas. Et j'ai failli faire une dinguerie. J'ai failli faire une dinguerie. Ouais, c'est après. Ouais, c'est ça. Waouh, la dinguerie que j'ai failli faire. Là, j'aurais pu me retrouver dans un bourbier. Impressionnant. Impressionnant, me diriez-vous. Voilà. Allez, on y va en mode Dakar. Ah, mais j'aurais pu y aller, je pense. Pas dit. Ouais, non. Voilà. Je pense que j'aurais fini dans un mur. Un petit peu con du coup ce chemin. Si je peux me permettre, my goodness. Tu nous fais des petits pranks. Tu nous fais des petites blagues. Ok. Oh, et bien ces belles petites fleurs. Hop, on va à droite, messieurs, dames. Et voili voilou. Alors attendez, hein, c'est pas fini le challenge, parce que là, on a des rochers. Oh non, on vient de frotter le tracteur contre les branches. Alors. Oh, ça va. Eh, franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Allez, on est bien arrivé, messieurs, dames. On est bien arrivé, ça fait plaisir. On va pouvoir du coup se parquer. Allez, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Parce que c'est pas bien compliqué. Alors attends. On va faire ça comme ça. Absolument. Oh bah attendez, il y a moyen de faire. Attendez. Il y a moyen de faire ça comme ça. Alors, je pense pas que ce soit le meilleur bail à faire, mais en vrai, on s'en fout un peu. Alors, je me suis trompé de sens, voilà, ça c'est l'habitude du porteur, mais au moins je m'en suis vite rendu compte. Voilà. Bon, on va déjà essayer comme ça dans un premier temps. Puis si ça marche pas, on ira se faire foutre. Hein. Mais en vrai, comme l'essieu est directionnel derrière, c'est pas déconnant ce que je suis en train de faire. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là pour éviter. Même si en vrai ça passe, hein. En vrai, je pourrais continuer. Hein. Clairement, hein. Mais là, dans la vraie vie, j'irai pas dans l'herbe. Dans la vraie vie, je prendrai pas le risque. Donc du coup, on va faire ça directement. On va refaire également la cassure dans le bon sens. Voilà. On va s'arrêter. Et c'est parti. Voilà. Vérifie que ça tape pas ici. Et puis normalement, ça devrait se passer relativement bien. Voilà. Impeccable. Eh franchement. Ah, je vous propose quelque chose d'assez sympa, j'espère. J'entends des vaches. Enfin, j'ai l'impression d'entendre des vaches depuis tout à l'heure. Hop, pour passer le stationnement de la remorque. Eh frérot, tu m'as pris pour quoi là? Tu m'as pris pour une grosse merde ou quoi? Ah oui, il y a des vaches. J'entends bien des vaches, je suis pas fou. Hop. Bon là c'est pas forcément parfait. Mais l'essentiel c'est de se garer là où on doit être à peu près.
Elles vont se calmer les vaches là ? Elles me déconcentrent. Hop, et on va pouvoir, je pense, s'arrêter là. On veut s'avancer, sinon ça marchera pas. Le fin de parc. Et messieurs, dames, ah oui, on n'est pas droit. Mais ça, c'est pas bien grave. Elles sont où les vaches ? On entend des vaches, mais elles sont où ? Ah, elles sont peut-être dans l'étable. Dans la maison là-dedans. C'est possible. Bon bah voilà les amis, un beau petit trajet. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Merci encore une fois à Bébé Moddings, le lien est en description. Mince, c'est pas ça que je devais faire. J'ai dételé la remorque. Quelle bite. C'est pas ça que je dois faire. Sérieux là? Allez. Mais c'est sérieux? Faut que je réattelle la remorque là? Mais comment je fais? C'est une blague. Non mais là j'ai fait n'importe quoi. Voilà. On lève. On recule. Voilà. On réattelle. Oh, quelle connerie. Et on coupe le moteur. Et voilà. Merci, bonsoir. Allez, à très vite, les amis. Ciao, tout le monde. Eh ouais, je flex. Eh ouais, je flex. Get mes réflexes. Get mes réflexes. Emoji biceps. Emoji biceps. M-colo the best. M-colo the best.